Les amis, bonjour, j'espère que vous avez la forme, c'est PKLN, on va continuer notre analyse du Bitcoin, ça fait un petit moment. Donc ce qu'on avait annoncé, c'est validé. On va regarder maintenant donc à quoi s'attendre pour la suite. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bien sûr, je vous invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça me fait toujours super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, le Bitcoin, on avait dit qu'on attendait... Enfin que c'était, il y avait beaucoup de signes baissiers là, je sais plus où on était par là je crois. Tac, non on était par là. Bref, oula, je sais plus. Bref, on a eu plein de signaux de vente là, ici en plus grand. Et ça s'est confirmé ici en plus petit. Donc là, voilà, on attendait cette cassure du bas, c'était bien probable. Je parle toujours du court terme, hein, pour le long terme, j'avais déjà fait l'analyse la semaine dernière, donc n'hésitez pas à regarder la précédente vidéo, on va quand même en reparler un petit peu après. Maintenant, à quoi je m'attends? Je rappelle toujours que sur un intervalle de temps 4 heures, on a cette impulsion, ici une correction, celle-là on va la faire à la main, comme ça là on avait dit attention s'il y a un setup d'achat, pourquoi pas, on en avait eu un ici, qui s'est validé, par contre on avait dit attention, après la cassure de ce top, tout ça pouvait nous donner un signal baissier pour venir casser ce plus bas. Ce qui s'est passé. Après tout ça, voilà, les signaux baissiers ici, ça sentait pas trop bon. Mais tant qu'on est dans cette figure, vous voyez, comme ça, qui descend comme ça, on est toujours sur une tendance haussière. Enfin, on est sur une tendance baissière court terme, mais haussière plus long terme. Ok, on a une impulsion, correction, la correction est tout à fait normale. Et donc voilà, on s'attend probablement à venir encore casser ce plus haut. Par contre, ici quand même, méfiance, c'est pas dit que c'est parti pour tout de suite parce que, attention pour le trading, hein, pour l'investissement, ça va, hein, on est sur la bonne tendance. Par contre, attention ici, on a l'impulsion baissière. Tac, là ça repart à la hausse, c'est magnifique. Donc là, qu'est-ce qu'on va attendre? Deux possibilités, soit un running comme ça. Donc ça c'est ce qu'on risque, hein, si on prend ici à l'achat là, on risque en fait un running et venir casser encore une fois ce plus bas. Ok, donc soit ça, soit une correction de cette impulsion pour venir encore casser ce plus haut. Mais même une fois cassé ce plus haut, si on a un mouvement qui ralentit comme ça, attention au running, hein. Tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut là, eh ben, le running est toujours possible. On peut venir chuter ici. D'accord, donc là... Voilà, je n'irai pas tenter des gros setups de vente, vous voyez, parce que vu cette figure-là, qui commence à... Je veux dire, la correction commence à avoir une taille suffisante pour que ça puisse repartir à la hausse. Donc, au plus on attend, au plus c'est dangereux de tenter à la vente, hein, puisque si ce setup se valide, ben là, ça va être une belle impulsion jusque-là. Donc là, il y a moyen de perdre beaucoup d'argent si on prend un setup de vente. Par contre, dans un court terme, ici, moi je vois plutôt de la vente là, cela dit. Vous voyez, impulsion, correction comme ça, ça. Voilà, mais tout ça, ça reste une correction normale de cette impulsion, hein. Tout ça pourrait nous donner un régular flat pour nous valider une hausse. Là, on avait eu un bout de setup d'achat ici, hein. On en avait eu un bout. Donc j'espère que vous avez pu le voir, je vous rappelle ce qu'on avait dit la dernière fois, hein, c'est que si jamais on vient casser ce plus bas, ben on va attendre... un setup d'achat, on va les guetter et là ça vaudra le coup de rentrer à l'achat. Mais voilà, c'est trop tard, c'est passé, donc on va attendre un setup plus grand dans une plus grande unité de temps et retenter la même chose si ça se confirme par un plus petit setup comme on a eu là. Ok, je rappelle pour ceux qui débutent, si vous comprenez pas trop de quoi je parle, n'hésitez pas à regarder dans la description, je mets toujours le lien des vidéos qui expliquent les setups, les mouvements du marché, etc. Il y a le lien vers toutes les vidéos explicatives. Ok, donc voilà, donc pour tenter quoi que ce soit, moi je vais attendre ici de voir qu'est-ce que donne cette correction. Si ça donne une impulsion vers le bas comme ça, ben ça sera probablement pour valider un running et venir encore une fois casser ce plus bas. Et rappelez-vous, on avait regardé ça un peu sur plusieurs actifs, parce que sur plusieurs cryptos, moi je trouve qu'il y avait beaucoup de signaux de vente, donc c'est pour ça que dans cette zone là, je trouvais que ça sentait pas très bon. Donc sur du court terme, hein, sur du court terme. Le long terme aussi d'ailleurs, ça dépend ça dépend du point de vue, on va reparler de ça après. Et on avait parlé notamment du Solana que moi je guettais parce que celui-là avait une très belle structure qui s'est validée, hein. On était par là, je sais plus où on était quand j'ai fait la vidéo, enfin bref, on n'avait pas fait encore cette chute, on était peut-être là, mais j'attendais, vous voyez, il y a encore le dessin qu'on vienne casser ce plus bas. On l'a obtenu, donc là les setups d'achat, ça vaut le coup de les tenter, à condition que le Bitcoin nous donne la même chose, hein. Si le Bitcoin a un gros setup de vente, les setups d'achat ici seront inutiles. On en a eu un là. Donc moi j'avais racheté un petit peu dans cette zone. Ici, il semble y en avoir un, mais toujours pareil, ça va dépendre du Bitcoin. Et de toute façon, c'est un tout petit setup, ça, hein. Pour une petite unité de temps, là, on n'est pas sur du 4 heures, en fait. Hein. Et l'objectif, il est là, quoi. Donc bon, pas ouf. Hein. Bref, sinon, sur du plus long terme, je vous rappelle quand même ce que j'avais dit. On va le prendre, aller à un journalier. Ouais, là, quand même, ce setup, il commence à avoir une belle tête en journalier, là. Hein. Il commence à avoir une belle tête. Donc si on n'a pas de mauvaise surprise avec une grosse impulsion et donc une invalidation de ce setup là, la direction est plutôt haussière. Maintenant, je vous rappelle qu'on a cette grande impulsion baissière. On est en train de faire la correction. Donc à chaque nouveau plus haut là, il faut vraiment faire attention puisqu'on risque ça. Ça, alors quand on n'en sait rien, hein. Ça peut être beaucoup plus tard, ça peut être là au prochain plus haut, bam, on peut avoir ça. Ça peut continuer à monter comme ça pendant un an, clairement, hein, pour ensuite nous donner la troisième vague là, le troisième mouvement de la vague, disons. Ça peut être une big impulsion comme ça qui vienne casser le top avant de nous donner aussi ce troisième mouvement. Je rappelle les trois mouvements A, B, C, d'accord? Donc voilà, on ne sait pas à quel moment ça va se produire, ni à quel niveau. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a entamé la correction de ce mouvement-là. Combien de temps elle va durer, jusqu'où, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut bien sûr établir une stratégie. La stratégie, c'est toujours pareil. Hein. On se fie au setup pour faire des points d'entrée, on va dire, sécurisants. On va pouvoir mettre des stop-loss en positif et éviter de se retrouver dans des grosses chutes où on a investi beaucoup d'argent et où on perd beaucoup d'argent. Mais après, c'est de la probabilité, c'est probable que ça monte là pour venir casser stop, mais c'est pas une certitude absolue. Donc on n'oublie pas les stop loss. Et quand on obtient ce qu'on souhaite, ce qui se passe quand même dans la majorité des cas, c'est là on commence à faire attention puisqu'on n'oublie pas sur le long terme cette possible grande correction. Et votre stratégie bien sûr doit se faire en fonction de l'horizon de temps que vous envisagez dans votre investissement. Si vous envisagez là d'investir et pour avoir un retour dans les 4-5 ans, donc oui, là, même quand on casse le top, vous vous en fichez. Si ça descend, ben, vous réinvestissez encore un petit peu. Et si ça monte, ben, très bien. Juste si vous avez un horizon de temps là que vous espérez des gains dans l'année, si ça casse ce plus haut là, prenez des profits, hein, les amis. Parce que ouais, ça peut faire ça, ça, et un jour ou l'autre, on aura ce mouvement C. Donc voilà, c'est à chaque nouveau plus haut en fait qu'il va falloir être vigilant et qu'on prend des profits en fait. Hein, pour ceux qui ont acheté dans ce setup là, ou encore mieux dans celui-là, ben si on casse là normalement vous avez déjà dû prendre des profits normalement, hein, si vous avez bien fait les choses. Et si ça casse encore le plus haut, ben, vous reprenez encore un peu de profit. Et quand on se retrouve avec une grosse correction comme ça, vous pouvez réinjecter un petit peu, par exemple, ce qui fait que sur votre long terme, même si ça vient à descendre, ben vous aurez plus de Bitcoin, quoi, de Bitcoin ou d'un autre actif, peu importe. Hein. Vous en aurez plus, ce qui fait que si votre objectif il est dans 4, 5, 6 ans, ben le jour où ça monte, ben les profits sont bien sûr bien plus importants, quoi. Donc est-ce qu'on avait regardé la dernière fois le Matic aussi? Ouais, pareil, le Matic, j'avais dit attention, hein, parce que ça sentait quand même la grande correction. Donc je serais pas étonné qu'on vienne l'avoir ici, et dans tous les cas, j'étais convaincu qu'on pourrait l'avoir à un meilleur prix. Donc c'est déjà le cas, je crois qu'on était là-dedans, donc là il est déjà beaucoup moins cher. Donc voilà, ceux qui font du DCA sur le Matic, on est à un bon niveau d'achat, même si je pense qu'on peut encore venir là. On peut encore venir là. Mais comme on le sait pas, voilà, il n'y a pas une énorme différence là. On peut en acheter un petit peu là, si ça descend, garder de l'argent pour en racheter encore un petit peu. Mais quand même en conserver au cas où ça monte. Parce que ce mouvement est peut-être pas fini, hein. On peut avoir ça, pour ensuite nous donner le C plus tard. Encore une fois, ça va dépendre de ce que fait le Bitcoin. Si sa correction, sa montée dure, ben le Matic, c'est probable qu'on revienne casser ce top avant de revenir casser ce bas. et peut-être qu'on cassera jamais ce bas, peut-être que si le Bitcoin lui il part vraiment à la hausse, peut-être qu'on viendra d'abord casser le haut avant de redescendre comme ça, pour nous donner un énorme running plus tard. Ok, vous voyez, donc j'espère que vous comprenez un petit peu la logique, et à partir de ça, bah, il faut établir votre plan en fonction de votre psychologie, de vos investissements, de la quantité de jetons que vous comptez acquérir, etc., etc., et de l'horizon de temps surtout. Bref, toujours est-il que dans l'immédiat, pour récapituler, ce que j'attends, c'est voir quelle correction il nous donne de cette impulsion. Soit ça continue à monter, peut-être qu'on l'a même pas entamé, peut-être que ça va continuer à monter encore un peu comme ça, à ralentir, avant de nous donner une plus grande correction. Et là, si j'ai un setup d'achat, ben oui, ça pourra se tenter pour valider cette grande structure ici. Arrivé au top, là on commence à se méfier, à prendre des profits, la prise de profit se fait ici. On garde à l'esprit qu'on a un possible running, donc cette correction là, en flag, n'est peut-être pas encore terminée. Ça peut durer encore longtemps, hein. Après ça peut partir demain. Donc ça, on n'en sait rien. Mais on aura très vite la réponse dans cette correction. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.